Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et oui, nous qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons tout savoir, sans exception. Aucune cachette. On est le mercredi 13 novembre 2019. Heureux de vous retrouver. On va continuer avec... Cette suite d'événements complètement, complètement, complètement fou hein, depuis quelques jours, ces tremblements de terre en France, ces tempêtes partout, la neige, le froid. On va aller faire un tour à Venise où la ville est complètement inondée par une marée de notaires euh, vraiment inhabituelle. On est obligé d'arrêter d'annuler de, de, le transport en commun. Enfin, beaucoup, beaucoup de nouvelles. On va revenir sur Nibiru. J'ai plein d'informations, je vous l'avais dit que ça tomberait. Hein. Comme la pluie <laughs> en automne, j'ai reçu plein, plein de liens d'informations. C'est vraiment extraordinaire. Merci à tous ceux qui participent et tous ceux qui se dévouent pour euh, nous trouver de l'information et nous la partager. Mais avant tout ça, une autre information qui m'a été partagée. On va aller voir ça parce que c'est vraiment spectaculaire. Et c'est une clé USB. Hein? Ça vient d'un site, Planète Au-Delà, un site, euh, Planète, euh, au -delà. Euh, site qui s'intéresse à l'ufologie naturellement et qui nous rapportait hier, et qui m'a été transmis et euh, partagé par un abonné qu'on salue, découverte d'une clé USB avec des images étonnantes. Y, euh, Ovni Disclosure, hein? une des images des années 1900 apparemment, qu'on qu peut voir ici, euh, un homme du nom de Quisto, vivant dans un petit village de Berlin en Allemagne, a trouvé une clé USB avec un symbole étrange euh, gravé dessus sur un parking euh, près du sol, soi-disant euh, Steintor. Plus tard, il a ouvert la clé USB dans son ordinateur portable et, à sa grande surprise, il a vu de nombreuses vieilles images des Athénées euh, 1900 représentant ce qui semblait être des planètes de l'espace et des ovnis, selon Quisto, qui n'a aucune idée de qui possède la clé USB. Il a décidé de partager les 28 images en espérant que quelqu'un aurait une réponse à ces images mystérieuses. On peut voir le titre ici euh, UFO, OVNI, Disclosure. On dirait que les images incroyables sont authentiques, mais il faut bien sûr garder à l'esprit que cela pourrait être un canular. Mais selon un, un ami de Quisto, la clé USB contient d'anciens enregistrements satellite Voyager et des fichiers qui ne sont pas censés être connus du public. La NASA a lancé la sonde Voyager 1 pardon, le 5 septembre 1977, et le Voyager 2 il y a 42 ans, le 20 août 1977, pour étudier les planètes les plus lointaines du système solaire. Depuis son lancement, Voyager, Voyager 2 euh, a rencontré plusieurs planètes, notamment Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ici c'est des images qu'on voit là. Et honnêtement, on a vu beaucoup, beaucoup de ce genre d'images-là nous provenant de la Lune, des espèces de structures. Vous en avez vu aussi, hein, de plusieurs, plusieurs sites. Depuis son lancement, Voyager 2 a rencontré plusieurs planètes, comme je vous le disais. Certains, certaines de ces planètes peuvent également être vues sur les images comme différents types d'ovnis, y compris le chevalier noir ici. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. On peut voir aussi des structures, hein. On on voit beaucoup, beaucoup de structures sur des photos. Euh, le fameux Chevalier Noir, encore une fois, ici. Vraiment, vraiment intéressant. Tout ça, naturellement, doit être euh, étudié. Est-ce que ces images-là sont réelles? Est-ce que ces images-là sont des montages? Ça, c est, c est, je le laisse à votre jugement, mais je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, on, on l'a vu ce, ce, chevalier noir là à maintes reprises hein, sur plusieurs, plusieurs, plusieurs types de vidéos. Donc, naturellement, tout ça demande à être analysé, étudié. Super intéressant. Il faut obtenir plus d'informations et vérifier si ces photos euh, sont retouchées. Le découvreur devrait se rapprocher du phologue. Naturellement, certains clichés sont étonnants. Et criant de véracité, j'aimerais en avoir, en voir plus. Et avoir la possibilité de décortiquer les images à suivre. Donc, on va suivre naturellement cette, cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui a l'air. Euh, sur certaines images, on voit certaines images qui a l'air vraiment crédibles. C'est des images qu'on a vues partout, hein, sur plusieurs sites. On verra bien si tout ça euh, peut être euh, authentifié. Mais je vous garderai au courant. Je sais que vous êtes intéressé par ce sujet, et moi aussi, euh, du je vous reviens.